Dernier jour à Copenhague, du coup on va bien profiter aujourd'hui. Là ce matin on se lève, on va aller directement travailler. Et une fois qu'on a fini de travailler, on va certainement partir pour aller faire une cascade et un point de vue. Chose qu'on devait faire hier, mais du coup on a fait autrement. Donc du coup ça va être bien cool aujourd'hui, on va bien profiter. On va se coucher de bonne heure ce soir parce que demain matin on prend le bateau très tôt le matin pour Phuket. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça. C'est parti. Ça y est, on est arrivé. On va aller trouver notre petit café. On a envie de changer de café. C'est vrai qu'il est trop bien le café dans lequel on va parce qu'il y a une piscine et tout, mais les boissons elles sont pas ouf quoi. Enfin les lattés ils sont pas bons. C'est chaud de rater un café, mais bon, ça arrive. On va peut-être checker, on va voir où est-ce qu'on va. Ça y est, on a trouvé un petit café qui change un petit peu. Ça a l'air trop cool, un petit matcha latte. Moi j'ai pris un petit truc à manger ce matin, j'avais faim. Du coup je me suis pris un pancake banane chocolat. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai hâte. Et après je me mets à travailler, faut que je monte le vlog d'hier du coup pour qu'il sorte aujourd'hui. J'ai reçu mon pain de crêpe, moi je l'appellerais pain de crêpe parce que franchement c'est plus une crêpe qu'un pancake, mais hâte de goûter. Ça sent super bon en tout cas, c'est épais. Trop bon. C'est super bon. Trop du bien de manger ça. Le rituel, dès qu'on rentre à chaque fois à notre logement, on va chercher Pumpkin. Petit lapin. Oh, je l'adore ce chat. Je t'aime mon petit lapin. Je l'aime trop. Là on pose nos affaires. On s'habille parce qu'on va faire une petite rando aujourd'hui. Enfin, un petit viewpoint. Et ensuite, on va faire une cascade. Ah bah je suis soufflée, j'ai monté un escalier. Bah là il y a un problème là. Il va falloir faire du cardio. On vient d'arriver au Night Market, et enfin Night, chaque fois je dis ça, mais au petit marché quoi. Et on vient de prendre une petite mangue, une eau coconut, et moi du petit tofu avec une petite sauce sucrée salée. Il y a beaucoup moins de monde là où on est là. On remet un petit peu d'essence et on est reparti. Ça y est, on commence à marcher pour aller jusqu'au viewpoint. C'est trop stylé. On a de la route, je pense. Hein. On a du chemin. Ça fait 10 minutes qu'on grimpe. Un peu plus, 15 minutes. J'en peux plus, moi. Je suis... déglingué, il reste genre 10-15 minutes de montée encore avant d'arriver au bout, au sommet. Apparemment c'est ouf, on a vu des gens qui étaient en train de descendre, on leur a demandé combien de temps il nous restait et ils ont dit que il restait pas trop longtemps mais que c'était trop beau. Ah. Allez, je continue. Putain, on est arrivé, c'est incroyable. On est perché.
On vient de faire 40 minutes de scout et on arrive à un spot pour regarder le coucher de soleil. Ça a l'air incroyable. Let's go. Waouh. On va être trop bien là. Oh là là. J'ai mal partout de mon entraînement d'hier. C'est trop beau. Incroyable. Magnifique. Waouh. C'est fou. Les amis, on est devant le coucher de soleil et je pense que je vais clôturer le vlog ici pour profiter et après on va aller manger tous les deux et pareil, je pense que je vais profiter. C'est trop bien, il y a des petites danseuses, enfin il y a une danseuse du coup, mais du coup elle danse plus, mais il y a quelqu'un qui s'est joint à elle, c'était trop beau. C'est vraiment magnifique comme spot. Je pense que le coucher va être fou, c'est déjà hyper beau. Les amis, je clôture le vlog ici et je profite du coucher de soleil. Et franchement, c'était une super journée, j'ai trop kiffé, on a fait un bête de point de vue. Enfin, c'était une super journée en vrai, on a pas mal fait de scoot aussi, on a beaucoup roulé. On n'a pas pu faire de cascade parce qu'on peut pas tout faire. Mais en tout cas, j'ai adoré cette journée, ça fait partie de mes meilleures journées. Du coup, demain, on s'en va vers Phuket et je filmerai du coup le vlog à Phuket. Bonne journée, ça dépend si vous êtes en journée ou en soirée. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut !